Bien, bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de la conférence de Pierrot qui s'est déroulée la semaine dernière déjà. Comme je n'ai pas eu le droit d'enregistrer ni de filmer, j'ai pas eu l'idée de faire un compte rendu. Et complètement stupide parce que c'est logique. On va poser la question alors avant de s'appeler, donc du coup je me suis dit ah, pourquoi pas une vidéo en compte rendu. Donc tout d'abord, conférence super géniale, hein, qui a en même duré presque 3 heures. La conférence est passée en deux temps, donc, la première partie où il explique le pourquoi du comment, et puis la deuxième partie, les questions-réponses. Alors, avant d'aller plus loin, je voudrais dire que, en fait, ce qui est assez extraordinaire quand même, c'est que ce qu'il dit, ce qu'il fait, ce qu'il écrit, ça touche quand même plein de personnes, notamment les jeunes comme les gens un peu plus âgés, 40, 50, 60 ans. Et donc ça, je trouve que c'est là où on se rend compte que c'est un sujet qui est qui touche au monde au final et qui a de moins en moins de gens qui n'y adhèrent pas. Et donc c'est là où on peut se dire que ça commence à toucher de plus en plus de personnes, de différentes horizons, d'âge différent et de penser peut-être différent comme les gilets jaunes où on a pu entendre et voir il y avait des gens qui venaient de gauche, de droite, du milieu. Donc, au final, ces genres de choses nous rapprochent, nous rend solidaires, nous rend ensemble. Bon, la conférence très bien passée. Bon, premièrement, hein, il a parlé du pétrole, le fait qu'on en utilise de plus en plus et qu'il y en aura moins en moins, qu'on devra aller toujours plus loin et prendre toujours plus d'énergie pour pouvoir en chercher. Donc ça, c'est ce qu'il dit hein, dans le livre « Survivre à l'effondrement ». Donc vraiment le pétrole. Et aujourd'hui, on a le pic. Ensuite, il y a la surpopulation et l'immigration. Après, il a dit des choses que je ne vais pas dire sur cette vidéo parce que c'est des choses politiquement incorrectes, mais vraies. Souvent, le problème, on dit des choses de ce point de vue-là, les gens ont tendance à crier homophobe, nazi, tout ce que vous voulez. Alors, il faut appeler un chat, quand il y a des attentats terroristes faits par des musulmans extrémistes, on dit qu'il ne faut pas faire d'amalgame. Sauf qu'à un moment, la couleur rouge, ça reste la couleur rouge. La couleur bleue, ça reste la couleur bleue. Donc, je ne vais pas dire mon avis ou pas dessus. C'est juste qu'il y a des choses vraies qu'il a dit. Tout, moi, je suis d'accord avec lui. Peut-être pas toujours à 100%, mais en général, oui. Alors, il a parlé du pétrole. Effectivement, le pétrole, ça va être la première des catastrophes, puisque sans pétrole, il y aura plus de ravitaillement pour les magasins, plus de ravitaillement avec les bateaux, avec les transports, pour remplir les magasins, c'est là où ça va être un problème majeur. Ça, le pétrole, voilà, on va faire un discours dessus. On utilise trop de pétrole, que ce soit le kérosène, tout ça, c'est extrêmement, extrêmement violent dans la manière qu'on utilise. Quoi. Et en plus de ça, la surpopulation, on est 8 milliards quasiment sur cette planète en 2019-2020, dans 40 à 60 ans, je veux dire, on sera peut-être au double. Dans certains pays, ils font des enfants à foison. Et nous, en France, on a tendance à faire moins d'enfants. Alors, pour la surpopulation, le problème, c'est que, quand on dit ça, les gens ont tendance, ouais, mais on va pas faire un génocide de masse comme en Arménie ou pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais il faut savoir qu'à un moment, les richesses, le pétrole, tout ça, on utilise. Si on est plus, et ben on utilise encore plus. Bon, déjà, il y en a moins, on doit faire beaucoup plus pour aller le chercher. Et ben en mettant beaucoup plus sur mer, et ben on va faire beaucoup plus on va chercher beaucoup plus les énergies fossiles. Et c'est ça va poser problème. Ensuite, il y a l'immigration. L'immigration, alors malheureusement, les gens qui ont des guerres dans leur pays, c'est vrai que
On peut pas, ces gens-là sont malheureux, bien sûr, mais au bout d'un moment, le pays, ils sont un petit peu riches, ils s'en sortent bien, on peut pas non plus agir contre la misère du monde. C'est pas une question de mœurs, c'est pas une question de racisme. Mais il y a combien de gens français, qui sont nés sur le sol français, qui aujourd'hui n'ont pas de travail, ou qui vont pas. Alors, c'est comme là, hein. Il y a les deux écoles, il y a ceux qui veulent aller bosser, il y a ceux qui ne veulent pas aller bosser. Et ça, c'est mon discours. Le problème, c'est que la misère du monde, on ne peut pas la venir à chaque fois. Et puis après, ces gens-là, peut-être ils ont la haine avec l'Occident, parce que voilà, c'est eux qui vont attaquer, alors on va les envahir, tout ça. Alors, c'est un discours un peu extrême, hein, quand même. Mais on peut voir aujourd'hui la Suède, avec l'immigration qu'elle a, c'est le pays où il y a le plus de viol de femmes. Bon, voilà. Voilà, ça c'est les trois points où on a beaucoup parlé. Ensuite, il y avait le concept de la vague. Bon, la vague, hein, si vous avez lu ces livres, vous savez ce que c'est. Si jamais il y en a d'entre eux qui n'ont pas compris, qui ne savent pas ce que c'est, les nouveaux abonnés arrivent et voient ces vidéos, n'hésitez pas à vous poser la question, je ferai une vidéo, mais il y en a une déjà dessus qui est vieille un peu. Je vais voir pour la refaire aussi, parce que moyenne, mais bref. Le concept de la vague, hein, tout simplement, pouvoir être autonome, c'est ce qui va nous permettre de nous sauver, hein, de sauver les gens avec qui on est. Donc voilà. En bref, je ne vais pas faire 2 heures de vidéo, hein, pour vous dire un petit peu comment ça s'est passé ou ce qu'il y a parlé. C'est pas qu'il y a quelque chose de plus ou de moins dans les livres, c'est juste que moi je trouve ça de voir une heure en direct, en live, en conférence, c'est chouette aussi parce qu'on peut voir aussi sa manière de le dire, parce qu'écrire et dire, c'est pas la même chose pour moi. Et voilà, après, si vous avez vu ce livre, lu ce livre, il n'y a pas de grande différence. Mais enfin, depuis la sortie de Survivre à l'effondrement économique qui est sortie en 2011 et là aujourd'hui en 2019, on voit bien qu'il met l'accent sur l'accélération du pic du pétrole, sur la surpopulation et sur l'immigration. Voilà. Donc, tout simplement, voilà, il n'y a pas eu une différence avec les livres. Mais bon, voilà, je tenais à faire cette vidéo pour au moins vous mettre un petit peu dans le bain de cette différence. Un peu tardif, certes, mais au moins il y a quelque chose de garantir. Sur ce, les amis, moi je vous laisse. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Dans la vie, il n'y a jamais de problème. Il n'y a que des solutions. Ciao, les amis.